Lausannois et qui n'avait pas été qualifié pour la finale. Et puis cet avocat parisien me disait, mais je comprends pas, le jury, ma plaidoirie était tellement grandiose, tellement belle. Quand je parlais, j'étais ému par ce que je disais, tellement c'était beau, et j'ai failli pleurer. Heureusement qu'il s'appréciait lui-même. Pour laisser le temps à l'orchestre de s'installer calmement, juste encore quelques petites informations pratiques. Élie vous a déjà dévoilé le programme de la semaine que vous connaissez tous, mais juste pour vous rappeler que toutes les spectacles du soir, que ce soit la nuit de projection demain, commence à 20h, Hamlet le mardi à 20h également, mercredi soir à 20h également pour Maître Burneau et Maître Dupont-Moretti, samedi prochain la mairie à 20h, mais dimanche soir, c'est au début de soirée à 17h, nous aurons le plaisir d'avoir la première représentation d'Hamlet. Nous avons également la chambre de médiation de l'OAV, qui nous fait le plaisir de tenir un stand tous les soirs. Si jamais, parmi autour de vous, les permanences juridiques de l'ordre ont lieu ici. Elles sont gratuites cette semaine et elles ont lieu ici de 16h à 19h, mardi, mercredi, jeudi. Et comme nous adorons, cette semaine spéciale, nous tenons également des permanences dans le cadre du salon Vitalité à Morges. C'est de jeudi à samedi, de 10h à midi, de 14h à 18h, donc n'hésitez pas à en parler autour de vous. Cette semaine, les avocats sont partout gratuitement. Les expositions sont ouvertes dès aujourd'hui et jusqu'à vendredi, 14h, tout le temps. Invitez les gens à venir, elles sont magnifiques. Je vois que vous êtes prêts, j'ai assez parlé, déjà que je ne vous ai pas laissé jouer au début. Maintenant, the floor is yours. Donc l'orchestre des avocats, qui se nomme les notes d'honoraires, c'est le bon pour une manifestation gratuite. Thank you.
note d'honoraire. Titre un peu osé, m'a dit bâtonnier, quand lui annoncé devant du groupe. Mais des notes d'honoraire parfaitement justifiées par ailleurs, et que j'espère que vous consommerez sans modération. C'est un groupe d'avocats principalement, mais nous avons eu la chance de nous adjoindre des services de. Nous sommes tous musiciens, mais il y a parmi nous trois musiciens professionnels qui ne sont pas avocats. Mais je ne vais pas faire des distinctions. Je pense que leur talent suffira à les distinguer, ce qui me permettra de présenter le groupe précisément sans distinction de titre ou autre protocole. À la contrebasse, Sarah Caillou. Violoncelle, Gladys Ansel. Au deuxième violon, Jean-David Pelot. Je vais y avoir Uno, son chien fidèle. Il est assez dans les loges. Catherine Jacotet-Tissot. À la guitare, Ludovic Thierry. À la batterie, Gabriel Amidor. À la contrebasse, Patrice Morel. François Lagnin. Et la contrebassière, Ralph Schlosser. Cyril Mignon. Nous avons fait un choix de morceaux comme on a pu. Enfin, on a commencé par un morceau de ma composition qui s'appelle Jaipur. Je précise que tous les arrangements de la musique que nous vous jouons ce soir ont été écrits par Jérôme Thomas, qui est professeur à l'ENUS, enfin, ou à l'EJMA. Voilà pour lui. Donc nous avons commencé par Jaipur et nous allons poursuivre par un morceau de Cannonball Adderley qui s'intitule Mercy, Mercy, Mercy. Thank you.
Dave Brubeck, comme je suppose que tout le monde le sait ici ce soir. Par contre, le répertoire qui va suivre, peut-être que tout le monde ne le connaît pas. C'est un medley, un pot-pourri, de chansons de Stevie Wonder. If It's Magic, Visions, et My Sherry.